C'est trop bizarre parce qu'à chaque fois que tu dors, tu pètes ta cabane. Hein. Oui, je sais pas ce qu'on fait la nuit, mais. Ah bah oula. Par contre, c'est pénible, il pleut tout le temps, quoi. De ouf. Par rapport à d'habitude, mais ça, c'est parce qu'on a agressé les indigènes direct. Ah, du coup, ils font la danse de la pluie. Toutes les bûches qu'il y a, mais Marion, mais t'es une criminelle. Téma, mais c'est une criminelle. Oh. Je crois que ça se mange juste comme ça. Ouah, je vais crever, j'ai eu un bug. Ça y est. Je regarde la cinématique. Hein. Ouais, ouais, on laisse. Oh, on est bien dans Du coup, il n'y a pas Timmy à côté de moi. Ah ouais? Non, moi non. Ah, c'est moi qui l'ai, c'est pour ça. Je vous rappelle que c'est mon gosse. Hein. Vous êtes où dans l'avion? Et ouais. Arthur? Moi, je suis à quel côté de l'avion? Sur la droite. Bon, bah, adieu Timmy. Hein. Oh, bah merde alors. Oh, et je te vois rentrer, Bibou. Je pense que c'est Arthur. Aussi, il est à mes pieds. Ah ouais? Ah, je vous vois vous lever là. Je... Énorme. Ah, en fait, on est la même personne, lol. Salut. Vous avez tous la même tête. Est-ce que t'as tout pris dans l'avion, Marion? C'est-à-dire? Bah, tous les médocs et tout. Non, elle est déjà sortie. Oh non, Marion. C'est Marion, elle va mourir. Oh, oui, on est juste à côté d'un village indigène, du coup. Oh non, il y a déjà de l'orage. Oh non, putain, mais c'est une blague. Eh ben, ça commence très très mal. Hein. Vous voulez qu'on fasse quoi? On s'établit à quelque part ou quoi? Bah, faut faire quelque chose, hein. Est-ce qu'on va déjà piller leur village direct tant qu'on est à côté? Bah écoute, on y est. Qui m'a tapé? Bah c'est moi, tu passes devant moi, trou du cul. Pardon. On va tout leur piller, on a besoin d'aide. La valise Louis Vuitton, hop, moi je prends tout. Hein. Et prenez à balle le tissu, hein. On prend en masse les valises, plein de bouffe, tout ce qu'on peut, les cordes, le tissu. Y a une corde? Si je fais E dessus, ça fait quoi? C'est du quoi? Ouais. Une corde verte là. Mais prends. T'inquiète, tu vas pas être pendu. Je me disais, pas que je me pende quoi. Ok. Vous avez pris la marmite? Oh non. Mais prends. De toute façon, tout est dédoublé donc ça nous fera 3 marmites en vrai. Bah moi je l'ai pas trouvé la marmite. Enfin, y'avait pas de marmite. Ah, bah. Y'en a pas une ici normalement? Bah c'est ce qui me semblait, c'est pour ça que j'ai demandé. Ah d'accord. Oh putain, y'a les indigènes. Oh putain, ils sont où? Je sais pas. Pas. Là-bas. Où ça? Là où je regarde, j'ai vu un cannibale. Oh yes, bonne ambiance. Ok. Alors on va se faire attaquer. Où ça? Là-bas. Ok. On fait quoi? Ils montent dans les arbres, bah on va partir là-bas, hein. On retourne vers l'avion. Attends, du tissu encore. Hop, tant qu'on y est. Hein. Allez. Venez, on va se barrer par là-bas. On va éviter de trop courir. Ok, Marion est là. C'est bon, tout va bien. Oh, c'est bon, il pleut plus. Alors tout va bien. Oh! Non, ça va pas. Là-bas. Ok, ouais, non, ils sont loin. Ok. Et puis on est trois, hein. Oh, ouais, ça vient sur nous, là! Comment ça? Ah ouais, mais... Protège-toi! Allez. Ça dégage. Ok, évitez de vous taper, hein. Mais attention, il y en a encore un. Ouais, il y en a encore deux, trois. Ouais. Oh! Non, je peux pas faire ça. Vas-y, on se les fait. On est des monstres ou pas? 3 contre 1. Oh, le pauvre. Il se fait déglingue. Ok. Il se fait éclater. Bon, venez, on s'arrache. J'ai un lézard. Nice. On entend un autre. Oh, venez, on s'arrache. Ah. Venez, on s'arrache. Il fait beau, c'est génial. On va suivre ce petit chemin, d'accord? Est-ce que, Arthur, tu perds des cœurs? Attends, tape-moi un coup. Ouais. Ah, merde. Aïe, mais arrête. C'est la barre rouge, genre les cœurs. Ouais. Bah oui, je perdais des cœurs. Waza! Je l'ai eu! Banzai! Et bah voilà. C'est très cruel ce qu'on a fait. Les gros dalleux. Ils tiennent tous dessus. En plus, on est plein de sang là, comme des dégueux. Oh là là. Ah. Tout va bien? La biche! Oh oui, ils sont où? Je les entends crier. Oh. Ah! Oh, t'as vu les abdos? Oh, je suis dans le mal, les gars! Bah, barre-toi! Je vais mourir. Recule, on s'en occupe. On va se mettre safe. Il faut qu'on se mette safe absolument dans une petite grotte, ok? J'aurais posé des torches. Ce serait bien. Hein. Comment on fait pour prendre la hache? Bah, la touche 1. Tu retournes dans ton inventaire. Mais non, appuie sur 1, ça marche. Ah, ok. Pardon. Sur 1. Bien joué. Ok. Là, on peut récupérer plein d'argent si jamais vous aimez l'argent. Oh oui. De l'argent.
Nargent. Oh là. Ok. Oh non, c'est les bébés qui sautent là. Ouais, faites gaffe, hein. Et pas que, il y a des gros mutants, je crois. Ouais. Ah, il y a un gros mutant. Oh! Fumez-le! Faut faire des cocktails Molotov. Mais comment on fait pour les allumer? Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. J'ai pris cher. N'hésite pas à te mettre en stand-by et à prendre des médocs. Hein. Ouais, bah pour le moment ça va. Attends, je vais faire du cocktail Molotov. Elle est sur moi, je crois, non? Oh, c'est bon. Reculez, reculez tous, reculez tous, j'ai envoyé du feu, reculez tous. Elle a un de ses gros vagins. Oh putain, nique sa mère! Ah là, elle est dead. Bien joué. Elle est morte. Bien joué, bien joué. Allez, on dépece. T'as quand même à sauter dessus là. Salope. Oh! Attention, il y a un bébé derrière. Hop. Je comprends pas parce que, genre, quand tu descends, genre, tu sais, en glissant le long de la corde, ouais. Ça te fait user de la stamina alors qu'au contraire, ça devrait pas, quoi. Ouais, je sais pas. J'avoue. Alors, là, va falloir être assez discret, ok? Ouais. Au pire, on se le fait, hein, on est que trois. Non, attendez, on a pas de katana. On se le fait après. Oh, ouais. On va passer à gauche. Accroupissez-vous. On passe à gauche ici, là. Ah là, par là. Parfait, parfait. Oh, j'ai peur, putain. Il est là, le katana! Yeah! Yes! Bon, les gars, si vous voulez manger, on va faire un peu à manger, hein. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Direct. Bonjour! Ça vous dit, on fait des cocktails Molotov? Oh merde! Attendez. Je vais le mettre en feu, d'accord? Parce que. Attention, il arrive, reculez, reculez, reculez. Si vous pouvez reculer, je vais envoyer du feu. C'est bon, il est en feu, on peut y aller. Oh putain. Ah, il m'a éclaté. Allez, on le nique. Il est où? Oh putain, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Moi, je suis mort. T'es mort? J'avais ouais. Pas compris, putain. Attends, je vais voir si je peux le faire. Ok, vas-y, c'est bon, on l'a eu. Je te couvre. Voilà. Oh, merci. Nice, tu l'as réanimé. Trop forte, Marion. Marion, infirmière. Et... Attends, juste prendre des médicaments rapidement. Ouais. Et Arthur, question, quand t'étais mort, t'avais quoi comme écran? J'étais par terre en mode KO et puis comment dire. Il y avait une tête de mort qui chargeait au milieu. Ah ouais. Putain, ils sont coriaces là. J'ai plus d'énergie, je vais mourir. Moi aussi. Attends, je reprends un peu la stamina et l'énergie là parce que... Ouais. Si on mange des plantes, ça nous en donne en général. Hein. Pareil pour les sneakers, si tu manges des sneakers. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien ici, hein. Je suis un petit choquant, on se raconte des histoires. Non, non, moi ça me... J'ai les mains moites en fait, pour être très honnête. Pour de vrai, hein. J'arrive pas à le taper. Non. Les gars, je suis mort. Quoi? Elle est morte. Je la vois debout encore. Enfin, je suis en réanimation, quoi. Oui, oui. Non, non, elle est à terre, là. Appuyez E pour redémarrer. Non, non, redémarre pas, on va te réanimer. Non, mais c'est trop tard, là. Pourquoi? J'étais en train d'essayer de te réanimer. Je suis vraiment mort. Je suis nouveau dans l'avion. Est-ce que t'as perdu ton stuff, Marion? Je sais pas. Oui. C'est vrai? Oui. Et en plus, dehors, il fait nuit. Putain, en plus, on l'a eu. Et t'as pas de katana, du coup? Que dalle. Merde. Mon sac, il est... Ben, du coup, il y a l'emplacement de ma mort, quoi. Ah, donc tu peux récupérer ton stuff en revenant? Normalement, c'est oui, ça. Parce que je vois pas ton sac. Moi non plus. Mais moi, je m'aventure pas là comme ça. S'il vous plaît. J'étais mort contre qui? Contre le gros gros mutant à plusieurs bras, là. Non, les cannibales. Le gros, il est mort. Oui, maintenant, il est mort, mais c'est oui, lui il est mort qui... après. Mais c'est... Oui. Non, mais il était mort déjà avant que je meure. Non, non, désolé de... Bah non, je te jure, c'est... Je te jure, c'est les cannibales. Non, mais c'est nous, on l'a tué. Mais non, j'étais à côté quand il était mort. Les lézards, ça se mange. Ouais. Tuez tout ce que vous pouvez. Et prends la peau, quoi. Oh, il y a un collier Amazon.
Arthur, là, t'avais juste pris la peau. Ah merde. T'inquiète, j'ai pris la viande. Moi, je vous attends, je vous prépare à manger. Hein. Oh, trop mignon. Femme au foyer. Oh, merci. Alors, servez-vous, hein. Mais c'est original ici, en vrai, je me suis jamais installé là, voilà. Ouais. Là, on fait sécher toute la nourriture. Là, déjà, là, on est pas mal, on a un petit stock. Mmh. Surtout qu'une fois séchée, après, ben, du coup, elle se garde, quoi. Exactement. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on construise peut-être, je ne sais pas, un petit truc pour se mettre bien? Genre... une maison. Oh, trop ouais. Forte. Alors, parce qu'en plus, là, il fait nuit. Le collecteur d'eau. Attends, le collecteur d'eau, très important, quand il va pleuvoir, je vais le mettre ici. Mmh. Voilà, il faut mettre des sticks, s'il vous plaît. Merci. Réserve. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait construire? Est-ce qu'on fait une maison? Il manque un stick. Ah, coup dur. Arthur, j'espère que... j'ai des sticks. Super. Ok. Ouh. Bon, il on fait jour. On a passé la nuit. Merde. Ah, ça, c'est pas très gentil. Allez, on fait tout péter. Déforestation. Marion, reste pas sous les arbres. Des sticks aussi. Oh là là. Quoi? Tu t'es pris un arbre sur la figure, t'as rien capté. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois pas de quoi tu parles. Arthur, et Arthur, il faut éviter de viser le traîneau. Sinon, ça peut le casser, tu sais. Voilà, si jamais. D'accord. Évidemment. Je t'ai mis des sticks aussi, là. Ah bah. Cool, merci. Ça, attends, les cool. Sticks. Je peux en déposer. J'en ai plein. Mais c'est fini. Ah non, merde. Arthur, il met des cailloux. Il veut faire le mec gentil, mais il vit. Oh, je suis mort. Putain. Ok. T'as le stock, il se fait. Hein. Rébé, quelle histoire? De ouf. Bah écoutez, là, c'est, en fait, l'idéal, je pense, le mieux à faire, c'est de commencer à construire le pattern de la construction. Parce que là, à chaque fois, il faut qu'on refasse des rangements à rondins, c'est débile. Ouais. J'ai des glaçons sur le bord de l'écran. J'ai des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Kat a l'air très malin avec ton traîneau. Je suis bloqué. Il y a un tronc d'arbre devant toi. Putain. Il est passé dessus. Bonne nuit. Bonne nuit. Trop mignon. Voilà. Ça. Bon, c'est trop bizarre parce qu'à chaque fois que tu dors, tu pètes ta cabane. Hein. Oui, je sais oui, pas ce qu'on fait la nuit, mais... Ah bah oula. Je veux pas savoir. La cabane est toute cassée le matin. Oh. Et il faudra qu'on se fasse un jardin pour qu'on puisse planter les... Ouais. Parfait. Carrément. Les plantes pour les cocktails d'énergie mec. Et de santé. Ouais, carrément. Bah, faudra qu'on fasse ça. Et justement, regarde, on va le faire là. Arthur, suis-moi, regarde. Un truc qui était pas prévu. On peut aller en dessous ici, on a un trou. Oh, nice. Oh, putain, c'est génial. C'était pas prévu. J'y avais pas pensé, mais c'est nickel. Donc, on fera ici le jardin, d'accord? Cool. Yep. Oh. Du coup, l'escalier, on le fait du coup du côté qu'on a dit ou on le fait même du côté où il y a le trou? En vrai, ouais, peu importe. Ouais, du côté là où il y a le trou, ça peut être bien. C'est plus pratique. Bah ouais. Comme ça, s'il y a besoin de descendre au jardin, hein, c'est plus rapide. Ouais. Par contre, l'escalier, on va le mettre de ce côté-là plutôt. Genre le plus loin des indigènes. Yep. Genre, je pense qu'on fera une muraille, je sais pas, mais... Et puis en plus, du coup, c'est moins haut, donc pour les escaliers, ça demandera moins de bois. Ce sera moins chiant. Ah oh bah parfait. Là, oh, mais on est super chaud, là. Par contre, c'est pénible, il pleut tout le temps, quoi. De ouf. Ouais. Il pleut beaucoup, 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 beaucoup. Par rapport à d'habitude, mais ça c'est parce qu'on a agressé les indigènes direct. Ah, du coup ils font la danse de la pluie. Putain, mais toutes les bûches qu'il y a, mais Marion, mais t'es une criminelle. Oh, t'es marre, mais c'est une criminelle. Oh. Wow. Ça n'a aucun mais faut sens. Mais passer où tous nos chariots? Mais ça fait trois fois. Il y a un chariot là derrière. Mais il y en a un là aussi, là, Boubi. Là où je suis. En réalité, il y en a juste un en stand-by chez nous. Sinon, tous les autres, ils sont là-bas. Ouais. Ah. Près de Marion, quoi. La maison en haut qu'on fait, est-ce que les murs, on les fait aux extrémités directes du machin? Donc, c'est un espace. On peut faire une petite terrasse et tout, là. Ouais. Ou alors, cosy, hein. ou alors, voilà, comme sur Tiki Summer avec un contour. On peut faire un petit contour. Ok. C'est parti. Bon, frérot, là, tu es pénible. Putain, il est coriace, lui. De ouf. Oh, c'est... Oh, Nicolas, t'as du bois liquidé, là. T'inquiète. Est-ce que ça, c'est bien ou pas? Monte, Arthur. Bah, la porte, elle est à la limite du côté, là. Genre, ici. Ok, comme ça. Yep, comme ça. Attends. C'est de quel côté qu'il faut mettre le truc pour verrouiller? C'est à l'intérieur qu'on...
Bah à l'intérieur. Pas sûr que je saurais le faire. Je sais pas c'est dans quel sens là, je comprends pas. J'arrive pas à interpréter. Tu l'as mis à l'intérieur. Non, là il est à l'extérieur, ouais, je crois. Non, non. Le mec il est à l'extérieur. Ah, oui, il est à l'extérieur. Ouais, c'est bien ça. C'est compliqué, hein. Ok, là il est à l'intérieur, ok. Donc là on met une fenêtre de toute évidence, j'imagine. Ah, vite des fenêtres en mettant un peu partout. Ouais. Vous allez être content. Vous allez être content de ce que vous faites. Soyez fiers de vous, parce que c'est beau. Encore une vingtaine de rondins. Ça va le faire. T'inquiète, je coupe. Ah, on va faire des barrières sur les côtés. Oh, non. Putain, la blague. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde ce qui se passe avec le truc. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait tomber des trucs dessus? Non, non, mais regarde, viens voir. De temps en temps, pour aucune raison, il se met à bondir dans les airs et puis... Ah yes! Comment je fais tomber maintenant? 3, 2, 1... Oh oui! Et tout seul! Non, j'ai aidé. Ah, j'ai aidé aussi. Allez, accusé. Hey, tu l'as soulevé, tu l'as mis en Y. Bah, c'est con, les petites viandes d'oiseaux, je peux pas les accrocher. Ah, mais parce que je crois que ça se mange juste comme ça. Ouah, je vais crever, j'ai eu un bug! C'est bon, je suis pas mort, j'ai volé au 7ème ciel. Ah ouais? Je me suis envolé. Comme le chariot tout à l'heure. Ouais! Ça y est, le toit est fini. Oh, le vent il souffle. Et par contre, là où on s'est installé, le vent il souffle à donf comme on est au bord de mer. Hein. Mmh. C'est incroyable. C'est bien, les escaliers, j'ai fait plutôt où vous pensez? Moi, oh, je pense que je vais les faire là. Je sais pas. Et tu les fais à l'intérieur? Oui, oui, oui. Mais ou dans quel coin, je sais pas. Par contre, on se sent trop bien. Mmh. Mais je sais pas où les faire. J'ai une idée, mais je sais pas. Oh putain, j'ai cassé un mur. Mais non. Bah si. Construire une maison n'a jamais été aussi simple et rapide. Faudra qu'on se fasse une protection tout autour aussi, voir. Bon, pour le moment... Pour le moment, voilà. Bon, je rentre à l'intérieur. Moi, je me mets à l'endroit le plus safe. C'est ça. Soyez fiers de vous, parce que c'est beau.